je dis toujours, c'est vraiment comme la musculation pour le corps, quoi. C'est quelque chose qui va entraîner votre esprit, votre capacité à réfléchir, à développer votre esprit critique. Si tu as envie de découvrir la technique secrète pour bien t'exprimer avec clarté, pour te faire comprendre avec plus de fluidité, tu dois t'inscrire à la masterclass gratuite S'exprimer avec aisance. C'est un condensé vidéo en 1h15 où tu apprendras cette technique secrète. Pour t'inscrire, rien de plus simple. Sous n'importe quelle vidéo de la chaîne YouTube, eh bien, tu trouveras un lien, tu cliques dessus et tu tomberas sur la page d'inscription. Ensuite, il te suffira de cliquer sur ce bouton et d'entrer ton email pour recevoir derrière le lien de cette masterclass gratuite. Je te laisse maintenant avec la vidéo du jour. Donc le premier conseil, le tout premier qu'on entend souvent, c'est de lire. Et c'est tout à fait vrai. La lecture... Souvent, on pense que les personnes qui lisent ont toujours été des lecteurs, c'est faux. Ça va vous étonner, mais quand j'étais enfant, en fait, je n'aimais pas lire. Et je n'aimais pas lire pas parce que, en réalité, je n'aimais pas les livres, parce que je lisais pas beaucoup. C'est juste que j'avais un rapport à la lecture, j'avais des croyances que j'avais héritées, je ne sais où, qui me disaient « j'aime pas lire, les livres, c'est gros, ce sont des pavés, pourquoi perdre du temps ?» Quand j'étais petite, avant mes 10 ans, quoi. Je me souviens très très bien, je disais « j'aime pas lire », je le répétais. Puis, je suis tombée sur un livre qui m'a fait aimer la lecture. Donc, ça va pas être très original, mais c'est les Harry Potter. Voilà. Et c'est ce que je conseille souvent aux personnes qui veulent se mettre à lire et devenir des lecteurs. C'est de commencer par quelque chose qui va leur plaire et de commencer à lire des auteurs qui sont connus pour ça, qui ont fait aimer la lecture à beaucoup de gens. C'est vraiment quelque chose qui peut vous aider. Et clairement, ben, les Harry Potter, ça a fait lire des générations d'enfants, quoi. Dont moi. Donc, la lecture, c'est fondamental. Et si vous n'aimez pas lire, sachez que ce n'est absolument pas une fatalité du tout. En fait, pour moi, la lecture, c'est tout simplement un média. C'est comme si vous disiez « j'aime pas la musique ». Bon, c'est bizarre de dire « j'aime pas la musique ». Tu peux dire « j'aime bien la musique, mais j'en écoute pas tant que ça » ou « j'aime bien un certain type de musique ». Mais ne pas du tout aimer la musique, c'est quand même bizarre, quoi. C'est quand même... Enfin, la lecture, il y a tellement de livres différents à lire. Vous avez des romans, vous avez différents types de romans, vous avez des essais, vous avez des bouquins de dev perso, des bouquins business, vous avez des BD, vous avez des mangas. Enfin, je vois pas comment une personne ne peut pas trouver son bonheur dans au moins une de ces catégories de livres. Pour moi, c'est pas possible. Donc, si vous n'aimez pas lire, dites-vous que c'est plutôt que vous n'avez pas trouvé les livres à ce jour qui vous plaisent. Et ce qui est bien avec la lecture, c'est que plus on lit, plus on a envie de lire et plus on devient curieux. Donc, pourquoi la lecture, ça va vous aider à mieux vous exprimer? Parce que quand on lit, en fait, c'est un exercice actif, en particulier la fiction ou les essais. Quand vous lisez, vous faites travailler votre cerveau, vous avez juste des mots et vous devez créer du sens autour de ces mots-là. Vous avez juste du papier, en fait, quand vous lisez, vous avez juste des lettres sur du papier. Et vous devez recréer du sens. Et encore plus quand c'est de la fiction, vous devez visualiser les personnages, l'univers. Et en fait, ça vous permet de développer votre capacité à penser, votre capacité à imaginer. Ça peut vous aider aussi à développer votre empathie, à mieux comprendre les choses. C'est vraiment, la lecture, je dis toujours, c'est vraiment comme la musculation pour le corps, quoi. C'est quelque chose qui va entraîner votre esprit, votre capacité à réfléchir, à développer votre esprit critique. Parce que ce qui est important aussi dans la lecture, moi, ce que je vous conseille, c'est pas juste de lire et de fermer passivement votre livre, c'est de vous poser des questions sur vos lectures et pourquoi pas aussi d'échanger avec d'autres personnes pour discuter, développer votre esprit critique. Donc la lecture, c'est vraiment quelque chose de fondamental. La deuxième chose que je conseille pour vous aider dans votre chemin, pour mieux vous exprimer, c'est l'écriture. Même si vous voulez mieux vous exprimer à l'oral. Pourquoi l'écriture? Parce que travailler sa rédaction, ça va vous aider à gagner en précision et en clarté. Et justement, hier soir, on a eu dans l'école un cours, la classe d'éloquence, la classe d'expression, donc c'est une classe mensuelle pendant laquelle on fait pas mal d'exercices pour mieux s'exprimer. Et le premier pilier qu'on a vu pour s'exprimer avec aisance, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, c'est avoir un discours clair et fluide. Et comment on a un discours clair?
c'est en étant structuré. Et donc, il y a des conseils de base que je donne en écriture, dans la rédaction, c'est une phrase, une idée. Le minimalisme, dites-moi, plutôt que de vouloir dire, faut mieux transmettre une idée clairement que d'en transmettre trois de façon bancale. Ce que je donne aussi comme conseil, c'est une fois que vous avez donné votre idée, précisez-la. C'est d'être pédagogue. C'est-à-dire, donc là par exemple, c'est ce que je suis en train de faire. Être pédagogue, c'est un concept. Je vais ensuite, dans mes phrases d'après, expliquer ce que ça veut dire. Les gens, en fait, les êtres humains, on est tous des enfants. On est comme des enfants encore. Même si nous sommes des adultes, pensez que vous vous adressez à des enfants. Et les enfants, il faut leur expliquer plusieurs fois la même chose, avec des mots différents, avec des images, pour que la personne comprenne bien ce que tu veux dire. Donc ça, c'est vraiment très important, d'avoir ce sens de la pédagogie, d'utiliser des exemples, des images. Pourquoi ? Parce que la personne, vous êtes sûr qu'elle va comprendre ce que vous voulez dire. Et de travailler sur sa rédaction, de travailler sur sa capacité à être clair, à être précis à l'écrit, ça va vous aider à gagner en précision et en clarté à l'oral. Et ça va aussi vous aider à améliorer votre syntaxe et à construire un propos sur plusieurs phrases de façon claire et précise. Donc ça, c'est vraiment fondamental, la rédaction. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je trouve que les personnes qui donnent des conseils pour mieux s'exprimer à l'oral ne parlent jamais de ça. Et moi, j'utilise beaucoup l'écrit pour améliorer sa langue. Donc, le troisième conseil qu'on ne donne pas assez aussi, c'est de discuter, de parler dans sa vie au quotidien. Et là, ça peut être un peu plus difficile, mais c'est très important. Souvent, on développe des compétences tout simplement parce que dans notre vie, on a été confronté à des situations qui nous ont fait développer ces compétences-là. C'est important d'en prendre conscience. Donc, imaginons, on va prendre deux personnes. On a une personne qui est timide, qui est réservée. Et donc, qui crée peu de situations dans sa vie pendant lesquelles elle va s'exprimer, parler. Et on a une autre personne qui, elle, est plutôt à l'aise et donc va avoir tendance à plus parler en groupe. On va dire que la personne A, timide, sur un an, elle va avoir, je sais pas, elle va parler 5 fois dans l'année. Elle va assister à des événements ou des soirées et pendant lesquelles elle va s'exprimer seulement 5 fois dans l'année et ça va être très vite fait, limité. Tandis que la personne qui va être plus ouverte, plus assurée, elle aura 10 expériences dans l'année. Donc, on va prendre ça sur 10 ans d'expérience de vie. Il y a juste une personne qui a eu 50 d'expériences d'expression très limitées et une autre qui en a eu 100 où elle était à l'aise, où elle a plus parlé longtemps. Donc, bien souvent, c'est tout simplement ça. C'est est-ce que dans votre vie au quotidien, vous avez l'opportunité de vous exprimer? C'est une question que vous devez vous poser. Est-ce que vous avez un cadre où vous vous exprimez régulièrement? Est-ce que quand vous êtes avec vos proches, vous parlez et vous pouvez vous entraîner vraiment? Ou est-ce que vous lancez juste 2-3 phrases parce que vous n'êtes pas à l'aise? Donc c'est ça aussi qui va être important et c'est ce qui m'a aussi, je pense, beaucoup aidé. C'est que dans notre famille, on a quand même beaucoup de discussions entre nous. On parle de sujets vraiment divers et on a des débats entre nous. Et clairement, je fais ça depuis toute petite. Donc évidemment que ça va être beaucoup plus facile de m'exprimer avec fluidité parce que je fais ça depuis toute petite chez moi. Donc si vous n'avez pas cet environnement familial ou amical qui vous permette de vous entraîner, de parler, de débattre, de défendre vos idées, il va falloir vous le créer. Ça, c'est vraiment très important. Les discussions, les occasions de vous entraîner. C'est fondamental. Donc la question que je vous pose, moi, c'est est-ce que vous avez cet environnement? Et comment vous pouvez vous le créer? Ben, en rejoignant des cours. Donc, c'est pour ça que moi, je donne des cours, totalement. Et bon, là, c'est l'ère du Covid, mais il y a des cours en présentiel. Moi, je donne actuellement surtout des cours en ligne. Et on a des cours en visio en direct pendant lesquels, justement, vous avez l'opportunité de discuter avec des élèves et de vous entraîner.